Bonjour à tous, ici Jibrek Style et aujourd'hui je vais vous montrer le tweak Banner Disable. Donc je vais vous montrer déjà à quoi ça sert. Donc vous pouvez voir maintenant que j'ai une bannière de notification, par exemple ça, une message, mais ça va servir à activer une fonction de l'iOS 6 sur votre iPhone qui permettra de genre ne pas déranger. Par exemple, on ne peut pas avoir de notification dès que vous jouez à un jeu important et vous activez ça dans le réglage comme vous voyez sur le screenshot. Donc il est compatible à iOS 5.0 plus. Il est pour tous les iPhone, iPad et iPod Touch. Donc j'ai dit une fonction qui sera dans l'iOS 6. Je suis pas Apple, mais dans les derniers temps, on a dit que ça serait une fonction où il y a un journal anglais qui en teste une bêta, ou américain plutôt, un journal américain, et quand il a envoyé un screenshot qui ressemblait à celui-ci. Voilà. Donc une fois que vous l'avez installé, confirmé sur Cydia, il est gratuit, vous allez dans les réglages et vous allez pouvoir constater la nouvelle fenêtre sur ici, ne pas déranger. Donc je clique dessus, je m'envoie un e-message par exemple, notre test, je vais mettre test 2, je me l'envoie et là rien reçu, mais si je regarde sur notification enter, eh bien oui, j'ai test 2. Bon, bref, voilà. Et si vous voulez recevoir les messages, vous décochez ou même mais quelconque notification, mais là vous voyez, ça marche. Donc voilà, c'était DirectStyle pour la présentation du tweak Banner Disable. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vert si vous voulez, et puis abonnez-vous à mon canal, c'est ce qui va vous permettre de recevoir mes prochaines vidéos. Voilà, de Tweaksidia, je parlerai de Tweaksidia. Et si vous voulez faire découvrir cette fonctionnalité ou ce tweak à vos amis, partagez-la sur Facebook. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. C'était Direct.